Hop, donc c'est la ronde numéro 1, c'est Ludo contre Gérald. Donc là, on met 8 cartes. Et c'est parti pour le chrono. Est-ce qu'on voit le téléphone? Non, ça filme jusqu'à où? Après. La limite, c'est ouais, c'est à peu près ta deck box. Là, après, ça filme pas en fait. Et là, on a jusqu'au bord de ma carte. Toc. Ah, je vais prendre des dés, j'ai oublié. On va faire un Shifumi. 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 Bon, tant mieux, remarque. J'aime pas commencer. 2, 3, 4, 5. Et 6. Oula, c'est quoi ça? Je n'en garde que deux. Une seule. Vas-y, le balai. Mon avis, je vais regretter de rejouer celle. Celle, faut bien, je pense qu'il faut bien le connaître. Ben justement, l'autre, je l'avais pas joué, donc en soi, c'est celui que je connais le mieux, mais je sais pas. Faut peut-être le mixer avec du bleu. 3 et 4. Oh là là, c'est une catastrophe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, bah ok. Ah oui, c'est son coup, n'hésite pas à me rappeler les trucs. Alors, lui, moi, il fait quoi déjà? Passer une carte et je peux détruire un mec qui coûte 3 ou moins. Donc là, on rentre dans une phase. Alors, si j'ai bien suivi, maintenant je déclare si j'ai des cartes. Et t'empêcher d'attaquer ou de bloquer. Bon, là, j'en ai touché pas de bloqueur. Je t'empêche pas d'attaquer. Dans une énergie. Bagage. En cas d'égalité, tu gagnes. Bulma. Ouais. Je vais rechercher. Alors, ça a été choisi par le destin. Et les cartes que j'avais en combo, elles iront dans mon. Donc, moi, je vais jouer une carte en combo. Donc, alors. Si toi tu fais mes dégâts, moi je perds mes 10. Je pense qu'il faut faire un truc dur. Par contre, si moi je gagne, ce passe là. C'est juste que je perds pas. Donc je vais détruire. Ça en combo. Donc si j'ai bien compris, il a fait un 0. Ça ajoute 5 points à la pas de la. Et quand je défends, je n'ai pas besoin de ma finition. J'ai fini mon tour. Ouais, c'est des. En minimum. Et ben on va. Donc ça. Comme ça et à toi. Là c'est que pour le combat. Je suis du coup dans l'ordre. Je redresse. Je peux jouer les dames. On engage un. Je pose un bout. J'ai une énergie. Maintenant, je fais des actions de l'attaque. Je peux, okay. Si je fais son pouvoir. Ouais. Faire des actions à faire des actions à la main. Donc, du coup. Donc, puis j'attaque ton leader et coup critique. J'ai pas de contre. Donc, il a le combo. Okay. Alors, du coup, avec lui, je vais attaquer. Si tu fais coup critique. Ah, pardon. Bah, de toute façon, il fallait que je l'arrête. Donc, du coup, moi, je vais jouer. Sinon, ça, c'est bon. Et puis. Fin de tour. Du coup, je vais activer mon pour 1 et une énergie.
tu vas activer le ça. Là, je vais mettre un oui. Ah d'accord. Ah oui d'accord. En plus c'est donc. Je vais t'attaquer. Du coup je vais attaquer par propagation. Pas de contre. Pas de combo. Pas de combo. Je ne joue pas de. Ça part de combo. Ok. Putain, ça pue ça. Celui-ci ? Non, non, il est une énergie. T'as quoi maintenant ? Il n'y a que le défenseur qui peut mourir. Pas toi. Alors. Avec une bonne couleur, je vais attaquer. Elle est trop bien cette carte. J'ai pas trouvé. J'attaque, pardon, je fais son pouvoir. J'attaque. Pas de contre. Bon, bah, ok, donc je fais une combo. Donne ça. Double frappe plus 10 000. Du coup, de vos cartes combat, il passe là en mode action. Et. Donc, du coup, c'est. Donc, t'es à 30 000, faut que je passe à 35, faut que je rajoute 25. Bah, 30 000 et double frappe. Ouais. Bon. Très bien, très bien. Du coup, je vais jouer un. Pour. J'ai ça en jeu. Donc, celui-là, voilà. Ouais. Donc, je peux le jouer depuis ma main, c'est bien. Voilà. Ce truc, c'est. C'est ça. Il est excellent. Lui. Pas mal. Fin de tour. Alors du coup, je vais poser une question, peut-être. Je sais pas si on peut. Quand tu. Parce que du coup, j'ai trouvé ça très fort. On a joué, est-ce que je suis obligé d'avoir... Alors, comment je ressource ? Donc ça veut dire que celle-là, elle a donné du jaune, mais je peux la jouer dans le côté. On va ressourcer comme ça. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des cartes qui avaient précisé que le joueur soit joué. Par exemple, cette carte. Bah oui, je suis désolé. D'accord, ok. Et du coup, on peut jouer des leaders jaunes, mais pas juste des énergies jaunes. Est-ce que ça a été avec ça? Ouais, on peut faire ça comme ça. Je vais attaquer ton leader. Ok. Je ne contre pas. Pas de combo. Oui, parce que je sais que tu bloques. Non, j'ai pas de carte pour t'arrêter. J'ai pas de. D'abord, là, je fais les deux contre. Si moi je bouge, c'est. Mais tu ne perds pas ton attaque. Combo. Ok. Ensuite, pour 2, je vais jouer C20, je vais chercher un androïde. Non, je ne suis pas de console. Bonsoir.
D'accord. J'empêche pas la page. Je vais attaquer ton leader. Ok. Je ne contre pas. Je ne booste pas. Je booste. Alors. Moi je booste avec. Mais non, pardon. Moi je booste avec ça. Ok. Qui permet de. Voilà. De taper. Voilà. Ouais. Ok, ok, ok. Je vais attaquer ton leader. Donc ok, je ne contre pas. Je booste pas. Ok. Okay. Je vais faire l'effet de sel. C'est face visible d'ailleurs. Pour te détruire. Voilà. Et on s'arrête là. Ok. Donc de là, par exemple. Mais écoute, j'ai fini. Toi, c'est une disposition pour le terrain. Les capacités. 1, 2, 3, 4. Tu as fait lequel ? Ouais, évidemment. Donc bah, du coup, je pense que tu connais. Ouais, ouais. Donc tu vas me buter les deux, toi tu pètes ça. Voilà, tu détruis celle-là, tu détruis les deux tiens. Ok. Donc j'attaque avec elle ton leader. Donc automatique, si j'ai que. Je bloque pas, mais je peux défendre. Je ne contre pas. D'accord, Et je. Alors. Combat de pas. Il faut que je rajoute 15 000. Hein. Sinon, ouais, c'est du coup critique en fait. Est-ce que je peux me permettre de cracher 15 000 Non, je vais le perdre. Ok. Ah, ça pue ce tirage. Hein. Donc je fais son pouvoir. Je m'éveille. Ouais. Donc là, du coup, il a perdu le coup critique. Non, enfin, j'ai fait le point de pouvoir, donc je l'ai éveillé en même temps. Donc maintenant, il y a toujours coup critique. Si tu le refais, oui, sinon, non. Quand tu tournes la face, d'accord. Il garde les puissances, mais tous les pouvoirs qu'il avait, il les perd.
Par contre, tu peux refaire le pouvoir de groupe. D'accord, mais bon, ok. Donc j'aurais tout peut-être dû les... Non, je pouvais pas les payer, d'accord. C'est parce que je suis un peu encore dans les mêmes. Ok, c'est bon. Donc, bah, quoi qu'il arrive, j'attaque, du fait que je fais clocher. Est-ce que je contre? Non. Non. En fait, j'aurais pu payer 5. Pas de combo. Pas de combo. Ouais. Donc je mets 10 000 là. Il faut que je mette 10 000. Là. Et ben, j'ai payé 1. On va mettre 10 000. Non mais là, donc, je viens de le voir. Quand j'ai vu, je contiens un truc. Donc du coup, moi... Parce que dommage, je vais pas en profiter. Hein. Fin de tour. Alors, comment on ressource? Putain, c'est une catastrophe la sortie. Comment on ressource? Du coup, en plus je pouvais m'éveiller. N'importe quoi. On va ressourcer comme ça. Je m'éveille. Oh. C'est une catastrophe les pièges. J'ai l'impression. Je te jure, mais c'est. Laisse tomber. Bon. C'est catastrophique. Catastrophique. Je vais discarder une carte pour en piocher. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec 4 de tuer? Tu les mecs. Ah ouais, mais ils sont perdus. Oui, voilà. Et lui, il a fait la carte. J'ai le carte, il y a une main de force. C'est ça, carte. Ah bon? Ah bah ouais, je vais en prendre un, ouais. Mais il y a Eddy qui m'en a amené tout à l'heure. Ah, okay. C'était un peu petit. Qu'on a pas fait. Ah, ouais. Du coup, bon, okay. Bon, merci beaucoup. Hop. Il me reste 2 thunes. Non, c'est bon. Je vais prendre boire. J'ai utilisé le pouvoir de sel. Je peux encore l'utiliser. Est-ce que j'utilise ma tour? Non. Ouais, je vais te buter, Kyle. Deux manches gagnantes. Et... J'attaque ton leader. Je ne contre pas. Je ne booste pas. Je
Alors, je peux éveiller mes tacos. Du coup, je pioche. Je combatte. Ok. Bah, toi. Ah, je sais bien, mais bon. Et cette sortie catastrophique que je fais, franchement. Ne dis pas que tu me ressors un Kale, hein, parce que ça fait chier. Donc je suis encore sur pouvoir. Oui. Donc je t'attaque. Tu m'attaques. Déjà pour le contre. Je ne contre pas. Ok, alors bon, moi je combote pour un, je donne ça. On va redresser deux. Ok. Donc il a 20 000. Est-ce que t'en rajoutes ou pas? Pour un, je rajoute ça. Oh la vache. Ok, donc ça fait 30 000, double frappe, coup critique. Donc je passe à 35 000, il faut que je rajoute 20 000. Ah la vache. Et puis là, si je me prends, ça commence un peu à puer quand même. Ça commence à puer. Bah finalement, je vais contrer. Bon, qu'est-ce que je fais? Parce que cette carte-là, je la gagnerais bien. Au pire, si tu me balances gain, je peux pas faire du double frappe. De toute façon, je peux même pas. Combien j'ai dit? Il faut que je rajoute 20 000. Il faut que tu rajoutes 20, 30 000, oui. Donc tu vas passer en cette carte attaque, je pêche jusqu'à 3 cartes de gauche au deck dans la zone de distraction. En plus, si je fais ça. Si je fais ça, c'est la loose totale. Je vais jouer le réveil du numéro 3. Et toi, il te reste 3 points de vie. 3. Bon, allez. Tu m'as donné 10 000. Il a il garde son granit, il garde les trajets. Oui, oui, il garde. Donc je vais quand j'attaque, je mets jusqu'à 3 cartes. Je vais attaquer avec public, je vais attaquer pour vous. C'est pas trop beau, j'active, donc je mets 3. Je peux prendre pour redonner le métal, je vais le mettre dans ma main. Donc lui, je pourrais. On attaque avec mon bout. Quel affront!
Oh là là. Je contre pas. Donc voilà, 15. Moi je fais super combo.